Et là, alors là, vous allez me dire, oui, mais Bérangère, c'est pas de la carbonara si tu mets de la crème. Oui, mais la crème, c'est la vie. Donc, je vais mettre un petit peu de crème et du parmesan. Et on va se régaler avec tout ça. Et bonjour! Allez, mon chat. Pas vous. Enfin, le mois de juillet, là. Donc, toujours plus. Et bonjour, j'espère que vous allez bien ici. Ça pourrait aller mieux. Je viens de rentrer, donc, de chez ma prothésiste. J'ai fait mes pieds, j'ai fait une French. Je me suis épilé les sourcils, j'ai fait mes cils, etc. Donc là, c'est bon, je suis toute... voilà. Je suis allée me préparer parce qu'en fait, comme je faisais... Ah, ça y est, ils sont tendus de partout. Comme je faisais mes cils, mes sourcils et tout, je m'étais pas maquillée avant de partir parce que voilà, ça sert à rien, elle m'aurait démaquillée. Donc là, je vais me préparer, je vais manger quand même. Il est 13h passé. Romy a mangé avec Doudou. Et moi, donc, je suis allée à Picard. Et je rentre, je vais mettre tout dans mon congèle. Et là, je me rends compte que mon congèle, tout était décongelé. Tout, le congèle entier. C'est-à-dire que j'ai 4 tiroirs et tout était décongelé. Donc, comme je sais pas depuis quand... Bah c'est, tu peux pas remettre dedans et genre j'ai rien vu, ça recompte. Non, c'est non. Donc là, je vous explique même pas le gâchis là. Et en plus, le congèle indique moins 18. Donc on n'explique pas le truc. On n'explique pas du tout le truc. Je sais pas combien de temps ça fait. Tout a été, tout est décongelé. Hein. Il y a du la soupe, t'as juste à la faire réchauffer, c'est bon. Il y a, enfin bref. Donc voilà, le gâchis, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et puis en plus, c'est même pas... On sait pas, on n'explique pas le truc. Des fois, c'est les plombs qui sautent. Et là, on n'explique pas le truc, en fait. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qu'à sauter. La porte était bien fermée. Enfin, bref. Donc, et surtout, on ne sait pas depuis quand. Voilà, parce que quand ça décongèle et que tu sens que c'est encore un peu froid et tout, tu peux te dire, bon, j'y cuisine le jour même. Et encore, voilà, si tu veux prendre des risques, voilà. Mais là, rien du tout. Donc, bon, j'ai un peu les boules. Les boules, les glandes, crottes de nez qui pendent. Bref, allez, je vais manger. Ça ira mieux après. Et puis, c'est pas grave, hein. On est d'accord, il y a pire dans la vie, c'est pas grave. Mais c'est embêtant. C'est embêtant parce que là, on va tout devoir jeter des trucs. Je suis deg. Oh, j'ai reçu la petite commande des body, petit bateau pour mademoiselle. Romy, pardon, et j'ai reçu une commande tape à l'œil. J'avais un chèque cadeau et en fait j'ai commandé des petits trucs pour Cali, Romy, principalement les petites casquettes pour cet été. Donc voilà, j'ai tout reçu, là je suis trop contente. Sinon, bah écoutez, on a vidé tout le congèle, hein, on est joie. C'est comme ça. Écoutez, je préfère m'en être rendu compte plutôt que ça recongèle derrière et genre tu manges et t'es malade quoi, tu vois. Donc c'est comme ça. On va passer par l'application, le site Murphy. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros il vous envoie un réparateur à la maison. Alors j'ai regardé les prix, c'est 85€ je crois. Le mec se déplace, il regarde, s'il peut réparer, il répare. S'il a besoin de commander des pièces, il commande les pièces et il répare. Et voilà, donc on va faire comme ça. On a regardé, ça fait 2 ans et demi qu'on l'a. Et il était garanti 2 ans. Voilà, c'est tout comme ça de toute façon. Mais bon, c'est comme ça. Je me dis que dans quelques semaines ça va être le frigo, hein. Je sais pas pourquoi mais hein. Enfin bref, c'est pas grave, il y a plus grave dans la vie, c'est pas grave. J'ai perdu le congélateur entier, toutes mes plantes, mes herbes, mes bréchets, mes crevettes, tout. Je suis joie, je suis ravie, je suis trop contente. Voilà, c'est super. Bref, allez, je vais me faire une tronche, hein. Bon, je suis à la recherche des crocs de mademoiselle Romy. Elles sont tes crocs? Non, elles sont pas là, ça c'est celle de ta sœur, mon chat. Hop, alors attendez, je vais sortir ces crocs. Je me suis habillée, bon, rien d'extraordinaire, j'ai mis un petit jean, mon petit haut rose.
Tiens, elles sont là, mon cœur. C'est celle-là, tes crocs ou pas? Tiens, ça, c'est pas trop grand, ça? Vous êtes trop aussi, là. Attends, je vais regarder. Le micro, oui. Tu veux que j'allume? Est-ce que tu veux que j'allume ton micro? Tu veux que je l'allume, le micro? Tu veux que je l'allume ou que je l'éteigne? Mets tes crocs. Mets tes crocs. Hop. Donc, les petites crocs. Ah, vous avez la caméra dans la croque. Tiens, mets les crocs. Je sais pas si c'est ta taille, ça me paraît petit, ça. Grand. C'est quoi cette tête? Bon, les crocs sont mis, je suis pas sûre que ce soit sa taille, mais écoutez, elle a l'air de... C'est un chouïa trop grand, quand même. Tes soeurs, je sais pas où elles m'ont mis les petites crocs grises. J'avais des petites crocs grises à paillettes et je pense que c'est pile poil ta taille. Il faut qu'on les retrouve. Hein? Eh oui. Bon, sinon, elle a son micro, là. Elle nous a fait un coup cette nuit. Elle s'est levée. En ce moment, il y a des réveils nocturnes avec Romy. Elle s'est levée, c'était 3h. Et à 3h, elle est dans la chambre de sa soeur. Elle a allumé le micro et elle a chanté. On adore, sauf que ça a réveillé tout le monde. Bref, c'est pas grave, c'est pas grave. Sinon, oui, je voulais revenir un petit peu sur mon rendez-vous pour les cils. Donc, je suis allée me poser des cils. Ça faisait un moment que je l'avais pas fait. Je vous explique. Pour toutes celles qui ont suivi fin de l'année dernière, donc en novembre, j'avais fait un recourbement. J'aime bien le recourbement puisque on voit... Ça fait suffisamment, voilà, ça recourbe le cil. Et en fait, il s'avère que, je sais pas ce qu'il y a eu, mes cils ont bouclé. Voilà, j'avais beau les nettoyer avec le shampoing à cils, etc. Ils avaient bouclé. Donc, j'avais dit, on laisse pendant un moment, je fais rien, on touche pas, etc., etc. Ça a pas trop bougé, j'avais beau les nettoyer et tout, ils étaient toujours bouclés. Donc, un jour, j'ai pris un coup de speed, j'ai tout coupé. J'ai tout coupé puisqu'en fait, ça bouclait. Mais vraiment bouclait, bouclait quoi. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme... un poil bouclé quoi. Donc impossible de mettre du mascara. Je les lavais à peine, ils étaient humides. Je mettais le mascara, ça rebouclait derrière. Enfin bref, c'était une galère. Ça m'a saoulé, j'ai pris le ciseau, j'ai tout coupé. Et j'ai dit à ma prothésiste, j'ai dit on attend un petit peu et on voit dès qu'ils ont repris une bonne pousse, etc. etc. J'avais essayé plusieurs choses. J'avais un sérum donc que ma prothésiste m'avait conseillé donc que j'avais. Et j'avais pris également, vous savez, le truc qu'on voit sur Instagram là, qui se met comme un eyeliner. Et en fait, vous avez, c'est un sérum dedans. Ça, je peux vous le dire, ça marche pas du tout. Ne vous cassez pas la tête, achetez le sérum de chez Peggy Sage. Il fonctionne très très bien. Donc après avoir coupé tout ça, j'ai mis le sérum pendant plusieurs semaines et au bout d'un mois et demi, j'avais retrouvé mes cils à peu près longs et là maintenant ils sont bien fournis, donc nickel. Donc quand j'ai été pour mes ongles, je lui ai posé la question à la fois, je lui ai dit est-ce que tu penses qu'on peut faire une pause de cils à cils pour que j'ai un petit peu plus de volume, etc. Elle m'avait dit oui. Elle me dit par contre je te mets pas les plus foncés, etc. Je te mets le plus fin possible pour que ce fasse naturel. Et c'est exactement ce que je voulais. Donc là, ça va peut-être vous perturber parce que ça change contrairement à d'habitude. Mais moi, je suis pas du tout perturbée, donc c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Doudou, tout à l'heure, il m'a regardé, il me dit « ça change beaucoup hein. ». Je dis « bah ouais, effectivement, même quand je suis démaquillée, j'ai toujours les cils faits. Donc voilà, ça fait nettement moins fatiguée, ça ouvre le regard et tout. Moi, mais j'aime beaucoup. Ça ne plaît pas à tout le monde, ça je suis, je peux l'entendre. Moi, ça me plaît, c'est le principal. Voilà, donc là maintenant, j'ai re-rendez-vous dans un mois. On va voir ce que ça donne, si j'arrive à m'y tenir et si ça me saoule pas, parce que moi je me lasse très vite en fait, donc on verra bien. On verra. Voilà, est-ce que je vous montre mes petits achats chez Tape à l'œil? Je vais peut-être vous montrer mes petits achats. Hein? Qu'en dites-vous? Est-ce que tu crois que t'as le droit de faire de la moto dans la maison? Oui. Non. Va dehors. Dépêche-toi. Dépêche-toi, cornichon. Dehors, mais elle m'a rentré les deux motos en plus, ce petit cochon. Allez, dehors. Dehors. Bon, je vais demander à Doudou s'il veut bien faire des crêpes pour 4 heures. Parce que j'ai pas fait de gâteau comme je suis rentrée assez tard et tout. Bon, on verra. Bref, donc mes petits achats.
Chez Tape à l'œil. Alors attendez, je vais essayer de prendre quelque chose pour vous surélever. Sinon, vous n'allez rien voir et ça serait bien dommage. Hein? Sur quoi je peux vous poser? Bon, bref, c'est pas grave. Je vais pas vous poser. Si, est-ce que si je vous pose là? Non, vous êtes en équilibre. C'est n'importe quoi. Vous êtes sur les bougies. Vous allez vous casser la gueule. Je suis ici, bonjour. Bon, écoutez, attendez. Je vais tourner un peu ça. Voilà. On va y arriver. Alors, petits achats pour principalement Calinette. Mais il y a un petit peu de Cali, d'Aria et de Romy. Cette petite robe, très sympa. Coucou. Elle est où ta moto? Petite robe très sympa, toute voilà, toute fleurie et tout, très belle. Je l'ai prise avec un fond rose pêche comme ça, et je l'ai prise également en bleu avec des petites fleurs fuchsia, voilà comme ceci. Petite robe basique, ça c'est très très bien. Ensuite, sors avec ta moto, Romy. Sors. Elle vient me voir avec, elle est morte de rire, je vous jure. Va dehors. Dépêche-toi. Allez dehors. Ensuite, j'ai pris des petites jupes, toutes froufrou comme ça, je l'aime bien. Je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, j'étais à fond là-dedans. Je leur mettais tout le temps des débardeurs rentrés dedans avec leurs petites jupes froufrou. J'adore. Donc, je lui ai prise comme ceci en blanche. Il y a un petit peu de détails de dentelle. Trop, trop mignonne. Hop. Ensuite, je l'ai prise de cette couleur-ci. Celle-ci, j'ai peur qu'elle soit trop grande. En fait l'élastique j'ai l'impression qu'il sert pas du tout. Regardez déjà, regardez la différence de taille. Et alors vous allez avoir cet élastique qui va beaucoup plus serré. Alors celui-ci il est complètement lâche. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai peur que ça soit un chouïa trop grand. Voilà, bah écoutez on verra bien. En tout cas j'aime beaucoup voilà, la couleur et les motifs. On verra ce que ça donne, je vous en reparlerai. Viens là, laisse papa tranquille. Ensuite j'ai pris cette blouse-ci, alors attendez, l'étiquette elle est comme ça. Donc, Romy, ferme le garage. Ferme le garage. Allez, ferme. Tu viens avec maman? Encore, ferme, pousse. Pousse la porte. Ouais! Trop forte! Ensuite, cette petite blouse à rayures, dans le même rayure que la jupe. Ça, c'est très sympa. Hein. Vous mettez un petit pantacourt en jean et tout, c'est canon. J'ai pris cette petite blouse également en rose, comme ça, pêche un petit peu. Toujours avec des petits liserés dorés. Ensuite, petite robe. Attention, c'est toi qui as ouvert ou c'est papa? Non, c'est toi. Elle ouvre les portes. cette petite robe noire, alors j'ai pas l'habitude de prendre des trucs noirs pour les filles parce que voilà j'aime bien leur mettre de la couleur, mais quand je l'ai vue celle-ci elle est à moins 50%, donc elle est tombée à 9 euros et franchement je me suis dit tiens pourquoi pas, reste là Romy, papa il est au boulot là-bas. Voilà, donc vous avez un petit détail de doré là, c'est très très sympa et ça fait un petit peu, viens là, ajouré, regardez, vous voyez il y a des petits trous, je lui ferai essayer tout ça tout à l'heure. Ça c'est pour qui? C'est pour Romy. Oui, tu viens voir. On montre tes robes. Alors, Romy, je lui ai trouvé deux robes. La première, qui est comme ceci, c'est une robe longue. Mais très longue. Donc, on va l'essayer. Je vais voir ce que ça donne. Ah oui, elle est longue, longue. On va l'essayer juste après. Mais par contre, le motif, il est sublime, magnifique. J'adore ces couleurs. Et une deuxième petite robe, un petit peu en double gaze de coton, comme ceci. Voilà, avec des petites fleurs. Celle-ci, elle était en promo, elle était à moins 50%. C'est pour ça que j'ai craqué. Tire pas dessus. Donc voilà. Et sinon, autre chose, j'ai pris une casquette pour Mademoiselle Aria et pour Mademoiselle Cali. Je ne leur ai pas pris la même, on verra. C'est elles qui choisiront qui veut quoi, on verra bien. Voilà, mais j'avais plus trop de casquettes potables, donc j'en ai racheté. Romy, tu viens, on essaye la robe? Viens, on va essayer ta robe. Je vais essayer la robe et je vous montre. Comme t'es jolie! Mais t'es trop belle! Et en plus, les bretelles sont réglables, donc ça, c'est trop cool. Tu vas te voir dans le miroir? Va te voir. Elle est trop belle. T'es trop belle, mon amour! Alors? Waouh! J'essaierai de vous mettre les liens de Tape à l'œil dans la barre d'infos si j'ai le temps de les envoyer à Doudou avant qu'il fasse la barre d'infos. Tu veux montrer à papa ta robe? On va montrer à papa. Bon, mademoiselle ne veut pas enlever sa robe, donc bah, c'est pas grave, hein, je vais lui laisser. Je vais juste lui mettre une petite culotte qui tienne la couche, comme le body, c'est pas très joli de le laisser. Et puis on va mettre la petite veste en jean, hein?
Je vais aller chercher ses soeurs avec la robe. Vous allez voir que Kali arrive à me dire « Ah, elle a trop de la chance, elle est trop belle dans sa petite robe. » C'est vrai qu'elle est magnifique, cette robe. Elle est trop, trop belle. Franchement, il y avait que... Il restait... En fait, c'est des fins de série. Et il restait que sa taille. Franchement, faut peut-être regarder sur Vinted. Je suis sûre que vous allez la trouver. Elle est magnifique. Vraiment, elle est trop, trop belle. Et c'est une robe longue. C'est rare, les robes longues pour les enfants, parce que bah, c'est galère un peu pour marcher et tout. Et encore, là, elle s'en sort plutôt pas mal, la robe, hein. Franchement, trop cool. Hein, mon petit chat? Elle est trop belle. Bon, j'ai récupéré les grandes à l'école. Kali a essayé toutes ses petites robes. Tout lui va. Il y a juste celle avec les rayures orange, la petite jupe là. Elle est vachement lâche. Donc je vais voir si je vais pas faire un petit point avec un élastique. Je pense que je vais traficoter le truc. Parce que franchement, elle est trop belle et je veux pas la renvoyer. Et ça m'embêterait de la commander en la taille en dessous. Mais de toute façon, je crois que c'est une vieille collection. Donc il n'y a pas la taille en dessous. Y a pas. Oui, on va manger. Tu vas chercher ton assiette? Oui. Va chercher ton assiette. Je te mets une crêpe. Elle est où l'assiette? Elle est où ton assiette? Va chercher. Papa, il a fait des crêpes. Voilà, on va se régaler. Bon, on va aller chercher les fraises avec les filles. Alors, on veut des fraises. On veut des fraises de quelle couleur? Mais rouge, mais... Bah, et non, et pas verte, non. Attends, je regarde si elle est bien rouge. Là, il y en a une, ici. Tu viens la prendre? Oui. Vas-y, passe. Elle est là. Tu prends celle-ci là. Je crois qu'elle est celle-ci, pas bien tu peux. Celle-ci, elle manque un peu, je pense. Prends-la. Comme ça. Voilà. On va la laver parce qu'il y a un petit peu de terre dessus, d'accord? Ensuite, où c'est qu'il y en a d'autres, les filles? Là, je crois que là. Fais voir. Il faut qu'elle soit. Elle manque un peu. Et celle-ci. Non, celle-ci, tu peux la prendre si tu veux. Comme ça, vous en avez une chacune. On va essayer d'en trouver une autre pour Romy. Ouais. Hop. Je crois qu'il y en a pas. J'en ai pas vu d'autres. Il y a des oui, il y a une courgette. Deux courgettes même. Deux, mais on va... Ouais, mais elle est pas encore trop trop grosse. Par contre, il faut qu'on ramasse les salades. Parce que les salades, bientôt. Les tomates, pas encore. Hein. C'est en fleurs, mais pas encore. Bon, écoutez, bonne nouvelle. Je sais pas, on va voir. Mais Doudou a réussi avec le congèle. Il a débranché, il a regardé sur internet, etc., etc. Là, il est en train de tout laver. C'est en train de repartir. Hein? On y croit. On y croit, on y croit. Bah, c'est pas grave, chérie. Ça fera des gouttes d'eau, c'est pas grave. Donc, j'avais pas réservé le créneau avec Murphy. Donc, on va voir. On va voir. Et puis, bah, si ça... Et on en profite pour tout laver. Voilà. Et si ça y refonctionne, eh ben, tant mieux. Hein? Tant mieux, tant mieux. Sinon, très bonne nouvelle également. Écoutez... En ce moment-là, là, ça va. Hein, cette nouvelle-là, c'est très bien. Autre bonne nouvelle, j'ai reçu les emballages pour la liste de courses. Hop, donc là, il est dans l'emballage. En fait, sur le coup, je me suis dit dans quoi je les mets. Est-ce que je prends du papier de soie et j'enrobe, enfin, j'emballe dans du papier de soie? Ou est-ce que je mets du papier transparent? Et je voulais vraiment le papier transparent. Et là, donc, on a reçu la commande. Et franchement, c'est super beau. Je kiffe. Voilà. Donc là, pour le moment, j'utilise les petites étiquettes que j'avais utilisées pour le volume 1. Il m'en reste un petit peu. Donc, je vais les passer. Et pour tout ce qui est après, c'est moi qui les imprime avec mon imprimante thermique. Et on va faire un joli design. Voilà. Vous le savez, je suis un petit peu perfectionniste là-dessus. Oh, ça va. Je veux que ce soit ça parfait. Donc voilà. Il faut qu'on appelle Manon. Raphaël, il a un an aujourd'hui. On est le 25? Ouais, c'est les un an de Raphaël aujourd'hui. Il faut que j'appelle Manon. Et demain, c'est l'anniversaire de Vincent. Ou c'est l'inverse? Et demain, c'est ta fête aussi? Oui, demain, c'est ma fête. Non, aujourd'hui, c'est Raphaël. Et le 26 mai, c'est ma fête. Et c'est l'anniversaire. C'est pas aujourd'hui, ma fête? Ah non, aujourd'hui, c'est la Saint-Sophie. C'est la fête de Anne-Sophie. De ma sœur. Bref, rien à voir. Donc voilà, je vous montre. C'est canon. C'est bien emballé, c'est nickel. Voilà, et après, ça va être glissé dans des enveloppes bulles. Et puis voilà. Et en, avec l'enveloppe bulle, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne choque pas. Il y a encore le papier? C'est une blague, on n'avait pas enlevé les papiers. ouais, ça sera glissé dans l'enveloppe bulle. Voilà, c'est canon. Je suis trop contente. Donc voilà ce que ça donne. Donc le papier transparent, en fait,
Il y avait plusieurs tailles. Soit je prenais cette taille-là, donc c'est une taille A4, et donc ça me faisait double, donc je pliais. Soit je prenais plus petit, mais ça pouvait être trop petit. Donc j'ai préféré prendre plus grand, et franchement, c'est très beau. Franchement, j'adore. Voilà, j'adore le rendu. Donc maintenant, il va falloir emballer tout ça, hein, voilà. En sachant que on en a quand même pas mal de ça. Ah ouais, tu vas pas m'aider? Bah dis donc. Enfin bref. Le poney, il va t'aider, je vais aller faire un... Ah, c'est le poney qui va m'aider? Ah bah super. Et bah quel poney? Oh, écoutez, mon poulet Giro était dans le congèle qui a décongelé. Donc changement de plan pour ce soir. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce que tu veux toi? Et petit cornichon, va là-bas. Va là-bas. Elle a entendu l'ouverture du frigo. Ouais, non, mais elle est attirée par la bouse, ce gosse. Elle est bien comme son père. Bon, bref, c'est pas du tout le sujet. J'ai... Oh, ça va, t'aimes bien. Non, 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 c'est pas le moment de manger un yaourt à boire. Et va jouer là-bas sur l'autoroute. Donc oui, il faut que je fasse... Yeah. Mais dis donc. Va dehors. Celui-là, il n'a pas décongelé. Hein. J'avais quand même des blancs de poulet, du poisson là-dedans, donc ça va. J'ai pas tout, tout perdu, hein, mais j'ai quand même perdu pas mal de choses. Bref, c'est pas du tout le sujet. Non, allez, sors de là. Tiens, prends ça si tu veux. Oh, mais c'est pas possible, celle-là. Dès qu'elle entend le frigo, elle arrive. Donc, j'ai épluché des petites courgettes. Nous allons faire des courgettes ce soir. Je vais faire des courgettes persillades. Donc, c'est-à-dire, qu'y a-t-il dans la persillade, mon petit chat? De la ciboulette. Je plaisante, du persil. Et des courgettes. Ils sont de la gueule. De la persillade. Oui, bah, de, et du persil. Du yad. Mais du persil, je sais pas. De l'ail. Ah bah oui, ah bah oui, merci. Aïe, ah oui, aïe. On fatigue. Et avec ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire... Mais arrête de me faire des textes à trous, genre, de ça. Ah si, on va faire, quoi avec persillade. Oh punaise. On va faire, des perles. Des perles? Des perles. On va les enfiler? Oh punaise. Des perles tipiaques. Ah, pirate. Oh, il me fatigue. Bon, j'ai fait les premiers envois là, je suis trop contente. Je me cherchais pas sur les têtes, je suis pas contente. Non, je ne le garde pas, j'allais dire. Si, je le garde. je le garde. Ah, je le garde. J'ai une voix dégueulasse. Ouais, de qu'est-ce que t'as? Tu cries trop. Ouais, je sais pas. Tu cries trop, tu chantes trop. Ouais, ça doit être ça. Il est en train de nettoyer le frigo, moi je vous le dis, ça va briller. Hein. Alors hier soir il frottait et maintenant, bah, il frotte. Changement de programme. On va faire des spaghettis de courgettes façon carbonara. Attention, est-ce que vous êtes prêts à voir les spaghettis tomber dans le plat? Hein? On est parti. Donc, cette petite machine, ça fait une éternité que je l'ai. Je pense que tu en as des plus pratiques, mais elle est quand même pratique. Donc, tu vas bloquer ta courgette. Je suis pas du tout mise au point, là. Ça y est. Tu bloques ta courgette et tu tournes. Vous l'aurez compris, je ne l'avais pas bien fixée. Faut regarder ce qu'on fait quand même, hein, parce que sinon on fait des conneries. Il faut bien pousser. En fait, non mais pas pousser comme ça. En fait, il y a plusieurs... il faut pousser d'un côté, tourner de l'autre. Un homme peut pas faire ça, vous voyez. Courgette façon carbonara. Alors tout le temps moi je mets des pâtes quand même, puisque s'il n'y a que des courgettes il faut un peu de féculent quand même, hein, sinon on va avoir faim, hein, et c'est pas du tout l'idée. Donc je fais cuire des capellini, rien d'autre, spaghetti nanana, non, les capellini, c'est quoi? Ce sont des petites spaghettis mais très fines, elles sont toutes petites.
petites et c'est les meilleures. Voilà, moi je le préfère, c'est les meilleures. Je n'arrive pas à manger les spaghettis. Les capellini, ça passe. Écoutez, bizarrement. Donc voilà. Donc on fait des capellini. Donc j'ai fait revenir mes courgettes. J'ai fait revenir des lardons à part dans la même casserole pour avoir le sucre de la viande, etc., etc., ce qui est trop trop bon là. Donc mes courgettes sont bien revenues, mes pâtes ont été ajoutées. Et là, alors là vous allez me dire, oui mais Bérangère, c'est pas de la carbonara si tu mets de la crème. Oui mais la crème c'est la vie. Donc je vais mettre un petit peu de crème et du parmesan. Et on va se régaler avec tout ça. Là c'est un peu galère parce que les spaghettis, elles ont un peu de mal à se mélanger avec la courgette. Elles veulent pas trop. Mais pourtant, il va falloir vous mélanger, hein, les petites, hein. Attention, hein. Voilà. On va se régaler. Ça va être très, très bon, ça. Très, très bon. Je vous le dis, moi. Je vous montre, hein. Je vous montre. Et voilà le petit repas de ce soir. Je vais me faire mon petit tube, puisque j'ai pas le temps de manger avec, avec les filles et Doudou. Donc, bon, c'est pas bien grave. Vise le trou, Bérangère, vise le trou. Hop. Regardez. Oh, qu'elle est longue. Oh, qu'elle est longue. Oh. Je suis excitée ce soir, je sais pas ce que jamais. Ça promet pour la nuit du boulot. Attendez, parce que je vais pas en prendre trop quand même. Faut que j'en laisse. Hein. Là, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Bon, écoutez, je vous pose parce que, hein, c'est compliqué. Allez, on est parti, c'est l'heure d'y aller. Hop, j'ai mon sac, j'ai pris ma gamelle, mon yaourt. J'ai pris des fruits, des pruneaux, là, vous savez, dans le jus, là, que j'adore. Ma mère m'en a ramené. Je suis trop contente, c'est trop bon, j'adore ça. Je mets mes petites chaussures et on est parti. Je vous fais des bisous. Je suis très excitée. Il va falloir que je me calme dans la voiture, parce que sinon, ça, hein, ça voilà, ça promet. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les crates bébés. Voilà, je tiens encore une fois à vous remercier pour votre soutien. Je suis une petite entreprise. On fait tout, nous, tous. Voilà, enfin... Nous tous, on est deux à travailler beaucoup. Soso nous a énormément aidé aussi. Mais voilà, je tiens vraiment à vous remercier pour votre soutien, pour vos commandes, pour tout ça. Merci, merci beaucoup. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.